Je voudrais vous dire que je reçois cette charge avec beaucoup d'honneur, mais aussi avec beaucoup d'humilité. L'humilité de quelqu'un qui n'est là que pour une période transitoire. L'humilité de quelqu'un qui est conscient que le pouvoir qu'il détient appartient au peuple. Je tiens à vous rassurer que l'autorité que nous entendons incarner, je dis bien nous avec le gouvernement et le Conseil transitoire, le Conseil national transitoire, nous serons hautement respectueux de notre Constitution et de la Charte que nous venons d'adopter. Je vois comme défi majeur, d'abord, la stabilité. Dieu merci, nous avons eu une armée qui a été vraiment responsable et qui nous a garanti la stabilité jusqu'à présent. Si nous arrivons à poser les bases d'une solution pour les problèmes de la jeunesse, et si nous arrivons également à poser les bases d'une réconciliation nationale, je crois que nous avons tracé un sillon. Nous ne pouvons que tracer un sillon.